Le gaming est sa passion, bienvenue chez Keke Spy Knight. Viens relâcher la pression, plein de jeux y compris Fortnite. Lâche au pouce bleu ton GG, abonne-toi, suis son parcours. Membre de la team MPG, en live quasi tous les jours, V de Strime. Salut la team, c'est Keke. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo pour une ouverture de cartes Pokémon qui est une petite valisette, voilà, pour les 20 ans de Pokémon, justement. Voilà, donc c'est une des valisettes que j'ai eu à Noël, que je vous ai déjà présenté en vidéo dans mes cadeaux de Noël, de ce que j'ai reçu pour Noël, ce qui fait partie de mes cartes Pokémon. Donc voilà, donc c'est la valisette que j'ai chez Micromania, hein. Voilà. Bon, excusez-moi, je tourne dans la cuisine parce que dans la chambre d'amis, j'ai plus de table. Et vu que je savais pas trop où me mettre, donc il y a que là j'ai pu me mettre. Et je pense que en attendant de trouver une solution, je tournerai là maintenant dans la cuisine. Et puis voilà. Bon, pardon pour l'humidité, hein, c'est bon, on me voit, mais voilà, c'est un peu bizarre, je trouve, mais bon, on voit quand même, c'est le principal. Bon, on va s'ouvrir cette valisette. Apparemment, il y a plein de choses à l'intérieur, donc il y a un tout petit. Comment on appelle ça? Un tout petit classeur de feuille transparente pour ranger les cartes. Il y a des stickers, il y a des cartes Pokémon. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc on va s'ouvrir ça. Hop, je vais ouvrir le plastique qui entoure la boîte, enfin la valisette justement. Alors. Donc, je vais prendre avec un couteau, je vais faire un couteau parce que là, c'est un peu galère. Hop, oh, ça devrait être là. Voilà. Tac. Voilà. On va mettre ça là pour l'instant. Voilà, sur le côté. Voilà. Alors c'est une petite valisette, hein, voilà. Qui est assez grande quand même. Regardez. Pour les 25 ans de Pokémon. Voilà. C'est stylé, je trouve. Ils ont fait la tête de Pikachu. Et à la place de ses joues rouges, et ben ils ont mis le 2 là et le 5 là. Pour faire les joues de Pikachu en rouge. Enfin, c'est stylé. Donc, hop, regardez. Voilà. Je vous montre. Hop, je vous montre à l'arrière, à l'endroit, ce que ça donne. Hop, voilà un peu. Voilà, ça donne ça. Franchement, c'est assez stylé. Donc, c'est une petite valise. Hein. Voilà. Ça donne ça. Voilà. Sur les côtés. Voilà, donc on va l'ouvrir, cette valise. Hop. Là, je l'ai ouvert. Hop. On ouvre et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors. Ok. Donc, nous avons. Hop. Nous avons ce magnifique jeton. Un gros jeton. Voilà. Il est beau, je trouve. Voilà, avec la tête de Pikachu avec sa queue derrière et tout. Très très beau. Nous avons des cartes donc de 25 ans de Pokémon. Donc, hop, je vais sortir, je vais vous montrer ça de plus près. Hop. Hop. Voilà. Donc, nous avons en carte, nous avons un Mimiki. Regardez. Hop, voilà. Merde. Oh. Non mais. Donc, nous avons un Mimiki. Qui est comment? Je sais pas si. Non, c'est pas holo ça. C'est comme une reverse. Enfin, je sais pas, ouais. Un peu comme une reverse. Nous avons un Salarsan lumineux. Pareil. C'est un peu comme une reverse, je pense. Et nous avons un Trioxyde. Voilà. On sait donc. Ouais.
C'est marqué C ici. Hein. Donc ça fait un peu comme une reverse. Voilà. Franchement, elles sont belles. Elles sont très très belles. Et là, nous avons. Hop. Donc nous avons deux boosters de Reine des Glaces. Voilà, deux ici. Deux boosters de Reine des Glaces. Là, je vous donne le petit code online. Hop. Le petit code. N'hésitez pas à le scanner. Voilà. Et là, nous avons 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 boosters de Pokémon de 25 ans. L'entraînement continue. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Nous avons tout ça comme booster à ouvrir. Aïe. Ah non, je crois que c'était 2 boosters Reine des Glaces. Mais non, c'est un booster épée bouclier Reine des Glaces et un booster épée bouclier style de combat. Voilà. Monsieur Trompé, excusez-moi. Voilà, nous avons tout ça en booster. On va ouvrir juste après. Pour l'instant, je vous montre ce qu'il y a dans la boîte. Et là, nous avons. Donc, ça c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est. Ah si, ça se décolle. Donc, c'est des stickers. Voilà. Je vais pas vous les décoller, mais voilà, ce sont des stickers. Hein. Ça aussi, ça se décolle. Là, ce sont des culs de Pikachu et tout. Voilà. Là, nous avons aussi des stickers aussi, ouais. Des têtes de Pikachu marquées 25 sur ses joues. Voilà. Là. Là, ça doit être... Ah si, c'est des stickers aussi, voilà. Ça se décolle. Voilà. Ok. Là, je crois que c'est un calepin. Attends, je vais essayer d'enlever ça. Voilà. Hop. Donc, nous avons ici un bloc-notes. Voilà, c'est un bloc-notes. Je suis un calepin. Donc. Ouais, c'est un petit bloc-notes. Voilà. Voilà. Oula. Et moi. C'est pas évident. Voilà, donc un petit bloc-notes, voilà. Hop. Je passe bien la cam. Voilà. Donc le petit bloc-notes. Et hop. On va le déballer aussi. C'est le petit mini classeur. Voilà. Voilà. Donc le petit mini classeur. Hein, pour mettre. Voilà, ce sont des petites pochettes transparentes. Pour mettre les cartes, pour ranger les cartes. Donc c'est cool. Voilà. Et en tout, les feuilles dans le mini classeur. Nous avons. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28,
29, 30, un mini classeur de 30 pages transparentes quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on peut mettre 34 Pokémon dans un mini classeur comme ça. Donc c'est cool. Et puis là, bon bah. Là, ça. Voilà, c'est. Ça montre ça. Voilà. Bon, c'est. Oh. Par exemple, pour le focus, mais ouais, ça montre ça. Bon. Voilà, bon. Voilà pour cette boîte. Voilà. Qui est assez profond quand même. Hein. Pas les stylés. Franchement, c'est une belle boîte, je trouve. C'est une très belle boîte. Bon, pour l'instant, on va mettre la boîte ouais, bah, sur le côté ici. Hein. Voilà, les cartes pareilles. Les cartes pareilles. Bah, tenez. Les cartes qu'on a eues là, celles que je vous ai présentées, donc je vous les remonte. Hein. Hop. Voilà, boum, boum, hop. Voilà, celle-ci. Donc, on va les mettre dans le petit classeur en attendant pour pas trop les abîmer. Alors. Le petit classeur, hop. Tac. Ah, c'est tellement grande qu'on peut mettre. Ah ouais, on peut faire mettre à l'arrière en fait. Derrière de celle qu'on a glissée, d'accord, ok. Ça c'est cool. Ok. Et. Ok. Ah. Voilà. Donc, en gros, ce que je viens de faire, voilà, ça donne ça. Donc, là, une ici. Là, une derrière. Voilà. Et celle-ci. Voilà, qui est là. Voilà. Ok. Voilà. Bon. Je remonte une dernière fois le. Waouh, pardon. Oh, c'est pas évident. De la cuisine, mais c'est pas évident. Voilà, le gros jeton. Je vais régler un peu le pied de ma caméra. Dès que ça tombe. Voilà. J'ai pas trop de place. Même dans la cuisine, j'ai pas trop de place. C'est galère. C'est. On m'a supprimé une table dans la chambre d'amis, j'étais bien dessus. J'arrivais bien à faire les ouvertures comme il faut, mais là c'est tellement serré que voilà, j'ai pas beaucoup de place, voilà, entre mes deux cams. Il y a celle qui me filme ma tête et puis qui est celle-là où je monte les cartes, donc c'est pas évident, je vous le dis. On va se regarder Reine des Glaces et style de combat pour la fin. Hein, on va. Pour l'instant, on va s'ouvrir les 6 boosters de 25 ans. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Hop, 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 et hop. Voilà. C'est 6 boosters. Ok, donc c'est parti. On y va. Voilà. Donc là, je rappelle qu'il n'y a pas de manipulation avec ça parce que, bah, vu qu'il n'y a pas beaucoup. Voilà. Hop, donc je vous montre le petit code online. Voilà. Tac. Alors, il y a une, deux, trois, quatre. Il y en a quatre, donc il n'y a pas de manipulation à faire. Donc, nous avons ouh, un petit Cosmog qui est. Ouais, un peu comme une reverse aussi, je sais pas. Voilà. Nous avons Yveltal. Yveltal. Qui est un peu comme une reverse, un peu. Et là derrière, nous avons Dialga. Et nous avons un Pikachu volant V.
Pikachu volant V, je crois que je l'avais pas encore celle-ci. Je crois que je l'avais pas encore. Donc ça fait plaisir. Voilà, la première ouverture. Ensuite, deuxième ouverture. Nous avons. Hop, petit code online toujours. Hop, ok. Donc nous avons encore Yveltal un peu comme une reverse. Nous avons Dialga là un peu comme une reverse. Voilà. Nous avons. Wow, Mewtwo X, mon gars! Mewtwo X! Wow! Oh, elle est grave stylée! Oh, elle est grave stylée! Oh, c'est énorme! Wow! Franchement, ça gère! Ah, oh, ouais! Donc, c'est Mewtwo. C'est un peu comme une reverse aussi, je crois. C'est pas holographique, donc c'est un peu comme une reverse. Donc voilà. Là, nous avons Solgaleo. Voilà, un peu comme une reverse aussi, hein. Voilà. Ok, waouh, Mewtwo X, mon gars. Mewtwo X. Ah, franchement, ça gère, hein. Avec la Pikachu V, là. Ok. Tac. Ensuite, on continue. Alors, nous avons. Oh, toujours petit code. Hein. Là. Alors, nous avons Kyogre, un peu comme une reverse. Voilà. Nous avons Ho-Oh, un peu comme une reverse. Nous avons Zekrom, un peu comme une reverse aussi. Et là, nous avons Mew, un peu comme une reverse. Ok. Ok. Hop. Il reste trois boosters des 25 ans. Qui sont là. Allez, on est reparti. Go, go, go. Hop. Tac. Hop. Ok. Alors, nous avons Lugia, un peu comme une reverse. Nous avons Cosmovoom, un peu comme une reverse. Nous avons Palkia, un peu comme une reverse aussi. Et nous avons Pikachu volant V. Donc j'ai en double. Voilà. Donc là, je l'ai en deux fois. Ok. Ok. Hop. Allez, il reste deux boosters. Hop. C'est parti. Hop. Donc nous avons Groudon, un peu comme une reverse. Ah. Nous avons Cosmog. Ah. Nous avons. Ouh, Mew X, un peu comme une reverse. Voilà, jolie. Ah, elle est jolie. Ah, franchement, ça gère. Ah, j'adore. Ah, ouais. Et la dernière, nous avons. Pikachu volant VMAX. VMAX, VMAX. Trop belle, trop belle, trop belle. J'adore. Et je vous ai oublié, j'ai oublié de vous donner le petit code online au début. Non, je vous le donne tout de suite. Voilà. Donc. Oh, j'ai eu deux Pikachu différents là. C'est cool. Ok. Donc nous avons Mewtwo X et Mew X. Ah ouais, franchement,
C'est du lourd, moi je dis c'est du lourd. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, notre petite valisette là, des 25 ans, nous porte bien chance. Hop. Ça nous porte bien chance tout ça. Ensuite, dernier booster des 25 ans. Hop. Tac. Ouais, célébration, voilà. Célébration, hein. Je le rappelle. Hop. Tac. Hop, le petit code. On n'oublie pas. Voilà. Donc, nous avons Palk. Un peu, ouais, un peu comme une reverse. Hein. Nous avons encore OO, un peu comme une reverse. Nous avons Pikachu de... Bah, des 25 ans. Un peu comme une reverse. Elle est belle. Hein. C'est Pikachu qui a son gâteau d'anniversaire. Là, c'est marqué Pikachu 2. Et si on veut, on peut écrire quelque chose. Donc, par exemple, bah, de 25 ans. Pikachu de 25 ans. Je pense qu'on peut marquer ça. Hein. Mais bon, moi, je n'ai rien marqué du tout. Je laisse comment aller la carte. Mais voilà. Pour voilà. Ah, quand on fait comme ça, on voit après, ça fait comme des empreintes partout. Franchement, elle est belle. Elle est belle. Et nous avons Mew, un peu comme une reverse. Ok. Bon, voilà pour ces boosters de célébration. Je crois que le Mew que je vous ai montré, là déjà, je vais regarder. Franchement, c'est pas mal cette voiture de célébration. J'aime bien. Oui, on l'avait déjà eu. Donc ce Mew normal, là, un peu comme une reverse. On l'a en double. Comme OO. Je regarde. Ah, comme Palkia et tout. OO pareil, ouais. Palkia aussi. Voilà. Ok, voilà pour cette ouverture de célébration. Donc je vais vous remontrer ce qu'on a eu. Hein. Voilà. Donc on a eu Pikachu 2. Voilà, on a eu Pikachu volant VMAX. On a eu Pikachu volant V. On l'a eu même en deux fois. Voilà. On a eu le Mew X. Nous, on a eu le Mew X. Mewtwo X, pardon. Voilà. Nous avons Dialga un peu comme une reverse. Nous avons Yveltal un peu comme une reverse. Solgaleo un peu comme une reverse. Dialga aussi un peu comme une reverse. Donc, hop. On va mettre aussi là. Yveltal pareil. Hop. Cosmog, hop, comme ça, deux Mew, Zekrom, oh, Kyogre, Palkia, Cosmog, comme ça, d'ailleurs qu'on va le mettre, voilà, Cosmog comme ça, et Groudon. Alors, hop. Cosmoboom. Voilà. Bon. Ok, et ensuite, il reste plus que ces deux boosters. Donc, Reine des Glaces et Style de Combat, Épée Bouclier. Donc, là, il y a la manipulation à faire, donc un autre 4, un 2. Donc, on va commencer par Style de Combat, Épée Bouclier, Style de Combat. Et après, on terminera par Reine des Glaces. Donc, c'est parti. On y va, on va voir ce qu'on a dans le Style de Combat. Alors. Donc, petit code. Hein. Voilà, n'hésitez pas à faire pause hein, sur la vidéo pour avoir bien le petit code. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2.
là. Ah. Quand je me mets de base comme ça me tient dans mon dos. Ah. Donc nous avons Voltoutou. Nous avons Chaglam. Nous avons Écrapince. Nous avons Lipidonil. Nous avons Osselet. Nous avons. Ouais, je vois que ça brille derrière. On va avoir une bonne carte là. Énergie O. Nous avons Vagomine. Nous avons Coléodome. Nous avons Grotichon. Point final. Nous avons Malamandre, un peu comme une reverse. Et attention, derrière, nous avons. Va être du lourd. Nous avons. Oh! Chifour, 1000 points V. 1000 points, les gars. Wouah, comment elle est trop belle! Ah ouais, excellent! Et un peu comme une reverse. Je crois pas qu'elle. Non, c'est pas une holo, ça. Ce n'est pas une holo. C'est un peu comme une reverse, je crois. Donc, oh, franchement, elle est belle. Elle est belle. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Voilà pour le booster de style combat. Et il reste le booster Reine des Glaces. Voilà, Reine des Glaces. Donc c'est parti, on y va, let's go. J'ai mal à mon dos, excusez-moi, à force de me baisser comme ça. Oh, ça me tire dans mon dos. Alors. Hop. Alors. Dans le dernier booster, Reine des Glaces, nous avons. Alors. Le petit code d'abord, hein. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ah. Ok, donc, nous avons le Smogo. Smogo, nous avons tout à fait. Nous avons. T'as le gamma. Nous avons Croquine. Nous avons Vuchours. Donc c'est lui qui est voulu en chifou, hein, qu'on a eu tout à l'heure. Nous avons Énergie électrique. Nous avons Apia. Nous avons Narcisse. 1000 points hein, quand même. 6000 points. Nous avons Arrosar 1000 points aussi. Arrosar 1000 points. Nous avons Gorythmique en 1000 points aussi également. Et un peu comme une reverse. Et nous avons en rare Galam. Voilà. Ok. Voilà. Ok pour cette ouverture. Bon. Bah ça, même si on n'a pas eu quelque chose de fou furieux dans Reine des Glaces, quand même, dans la célébration et dans le style de combat, nous avons eu quand même pas mal de bonnes cartes. Hein. On va pas cracher dessus quand même. Hein. On va pas faire le difficile. Franchement, cette valisette nous a quand même porté chance. Hein? Voilà, on va mettre ça là. Tac et tac. Voilà. Bon, les amis. Je sais que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'ouverture de carte Pokémon parce que bah, malheureusement, je n'en avais plus. Mais là, pour Noël, j'ai reçu cette valisette là. Plus d'autres cartes Pokémon.
comment la dernière série, je sais plus comment ça s'appelle, mais en toute manière on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Et puis voilà quoi. Excusez-moi, là je tournais dans ma cuisine comme je vous l'ai dit au début de vidéo, mais là, je fais ce que je peux pour tourner mes vidéos de cartes Pokémon. Avant j'avais un peu plus de place que ça, mais bon là même dans la cuisine c'est encore juste. Je sais pas où me mettre. Je me débrouille, mais voilà quoi. Bon. Sur ce, je crois que là c'est éteint. Heureux. Je disais. Sur ce, donc je sais pas où, je disais, je sais pas où me mettre pour faire mes vidéos de cartes Pokémon. Donc la cuisine c'est quand même un peu juste, mais bon, j'essaie de me débrouiller. Sur ce, si cette ouverture vous a plu, les gars, n'oubliez pas de commenter, liker, partager à fond la vidéo. S'il y a des nouvelles qui arrivent sur la chaîne et que vous voyez que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et après, de bien activer la petite cloche sur tout, parce qu'il n'y a surtout personnalisé aucun. Vous me cliquez sur tout comme ça. Si j'envoie une nouvelle vidéo ou un live, il y a une notif que vous connaissez, qu'il se passe ci et ça sur la chaîne. Et voilà, comme ça, vous loupez plus rien. Ça sera ma chaîne principale, mes vidéos, mais là, n'hésitez pas à partager à fond sur les réseaux sociaux, les gars. Comme ça, quand on arrivera, qu'on vous ramènerez du monde et qu'il faut connaître un peu plus, et puis qu'on avancera en termes d'abonnés. Que ce soit en description des vidéos, en description des lives, dans le chat des lives, la petite commande du bot, et dans mon à propos de chaîne, il y aura mon Twitter, mon Insta, mon Facebook, mon Snap, mon TikTok, mon Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux, à vous abonner à mes réseaux et à rejoindre le Discord. Je suis actif de partout. Donc voilà, je suis toujours à droite à gauche. Donc franchement, n'hésitez pas. Et pareil, en description des vidéos, en description des lives, dans le chat des lives, la petite commande du bot et nous à propos de chaîne. Vous y trouverez aussi ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas, je suis très actif ici sur ma chaîne Twitch. Donc que ce soit YouTube, Twitch, mes réseaux, mon Discord, je suis actif de partout. Je réponds à tout le monde, vous inquiétez pas. Il y a toujours du contenu à droite à gauche. Donc franchement, n'hésitez pas. Et à me follow en masse sur ma chaîne Twitch et à vous abonner en masse sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bon. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Sur ce, c'était Keke sur l'ouverture de la carte Pokémon sur ma valisette des 25 ans de carte Pokémon. Et on se retrouvera bien sûr sur d'autres nouvelles ouvertures. C'était Keke, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et en attendant, je vous dis tchuss là-dessus.